Bonsoir et bienvenue pour notre deuxième vidéo de dégustation de bière passion. Ce soir, nous dégustons pour vous l'Orval, bière belge, une des 10 trappistes au monde. Elle est produite à l'abbaye d'Orval et sa recette a été créée en 1932 par les moines cisterciens. Alors nous allons passer maintenant à la dégustation. Faut peut-être dire d'abord qu'il ne faut pas verser tout le contenu de la bouteille dedans parce qu'on a au fond les levures qui reposent. Voilà. Et que c'est à boire dans un deuxième temps. Exactement. Après on peut très bien s'imaginer, on dit voilà, sur l'occasion, Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à première vue? Donc une bière ambrée. Ouais, ambrée, elle est vraiment trouble. Ça fait. On voit pas à travers. Hein. Ah non, ça on voit pas. Donc oui, ambrée, trouble. Et puis maintenant on sent vraiment un goût de houblon, oui. Et de levure un petit peu. Si on l'a un peu versé trop vite, on sent quand même cette odeur de levure. Ouais. Hein. Elle est quand même présente. Ouais. Le houblon et la levure. Autrement, je sens rien d'autre de particulier. Hein. Non, il n'y a pas d'autre odeur particulière. Mais on sent que c'est une bonne bière. Voilà, hein, quand exactement. Même, hein. C'est une bonne bière, il y a quand même cette bonne odeur. Donc maintenant, on va la goûter. Hein. Goûtons-la. Santé. 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 Elle est piquante, tu trouves pas? Très piquante sur le bout de la langue. Ouais, hein. Exactement, très piquante. On sent vraiment que ça pique. Il voilà. y a ce mélange houblon-levure. Levure sauvage, qui s'appelle aussi brette, qui est bien présent. Mm-hmm. Elle reste très longtemps amère, hein. Vraiment amère en longueur. Hein. Oui, elle a une bonne amertume qui reste bien en bouche. Mais sinon, vraiment une bonne bière, je crois. Tout à fait. Nous voilà au terme de cette dégustation et espérons que vous l'avez appréciée. Si vous voulez rester informé sur nos prochaines dégustations, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter et Google+. Et nous aimerons remercier quand même le Bunchies Lodge, le pub à Fribourg, pour nous accueillir ici, pour pouvoir filmer ces vidéos et nous mettre à disposition les bières qu'on déguste. Et si vous voulez savoir ce qui se passe au Bunchies, que ce soit soirée spéciale, concert, cliquez sur leur lien ici. Sur ce, santé, santé, à la prochaine. À la prochaine.